une garde ici et compagnie, et là l'équipe va commencer à... On est toujours un petit peu en farm, là on est entre les deux. Entre le farm et le fait de commencer à casser les gueules, et effectivement on le sent. Depuis quelques matchs, on commence vraiment à casser les gueules. Hein. Oh, un bon joueur en face là, c'est de popularité. Oh, il a un Croxy stab qui va être vachement chiant. On reçoit le basson bien, le ballon bien sûr. On a la même TV, parce qu'il n'y a pas eu de... Donc là les gens, ça va être intéressant. Il a un agresseur lui aussi. Il a parié sur cette même mécanique. Et c'est surtout qu'il a ça là. Et ça, la stabilité, si j'arrive pas à les descendre, ça peut être super chiant. Après j'ai de la force. J'ai de la force. On va garder lui. Et lui, on va le garder pour faire une agression si on peut. On va chercher le ballon avec lui. On va se faire un Saurus. Salut le Randar. Ouais, j'ai senti, ouais. Ouais, ouais, non, mais après, t'as pas eu de chance. Hein. Il y a eu un côté vraiment assez random sur... en fait, ce qui fait la différence, c'est le petit bloc 1D et l'arbitre au début. Là, ça a vraiment cassé le truc, en fait. Attendez, est-ce qu'on ferait pas juste un face-à-face, là? Regardez. Comme ça. Et si on dégomme les deux, derrière, la bête pourra dégommer lui, d'accord? On peut peut-être même mettre lui ici. Oula. J'espère juste pas un mauvais événement. Mais bon, après un moment, il faut bien jouer. Et on va... C'est vrai que l'équipe commence à faire peur, là. L'équipe commence vraiment à faire flipper, je trouve, aussi. On va prendre le risque. On va prendre des risques, les gens, mais j'ai envie de pouvoir... vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de pouvoir revenir rapidement et d'essayer de mettre mes deux joueurs, là. Allez. Tac, et lui on pourra rapporter quelqu'un. Donc faut faire gaffe en espérant qu'on n'a pas un événement dégueulasse. C'est où les stats de cette équipe? L'agression c'est la vie. Foie de gobelin. Les stats de cette... C'est... Ah c'en est où? Bah là on commence à y... on commence à être entre les deux. Et là on l'a affronté justement Tozor qui l'a bien compris qu'on commence à être entre les deux. Donc là on est toujours un petit peu en train de farm, mais en même temps l'équipe commence à devenir violente, ouais. Oh. Alors ça les gens, ça c'est vraiment important parce que du coup... on va pouvoir être agressif. Oups. Est-ce que j'ai pas joué un peu vite là en faisant ça? Un petit peu quand même. On a joué un peu vite là quand même. Ok. Et là on est toujours un peu dans cet entre-deux, ouais. Allez, c'est parti les gens. On peut peut-être même suivre, c'est juste que c'est un petit peu chiant après on se bloque. Attends, parce qu'à chaque fois on me met un skins derrière que je ne vois jamais. À chaque fois je suis saoulé. Oh. Ah j'ai envie de taper avec la bête, mais peut-être d'abord lui et ensuite une agression sur le croxy les gens. Ah, la bête est fraîche quand même. Hein. 3. Et de toute façon si elle passe pas... Ah ouais mais du coup ça te permet de garder... Ah, j'hésite un peu là. C'est juste que la bête, elle a la châtaigne en fait. Attendez, on va d'abord faire autre chose et... Du coup... On va faire ça. Le danger, c'est de se faire après coller, quoi. Bon. Je pense qu'on va... Ah, un peu hésitant, là. Ah, dommage. Dommage, les gens. Oh. Prends la sable. Ah ouais, oula. Merde. J'ai pas bon agresseur. J'ai mal joué là, mal joué les gens. Ah j'aurais agressé. Ah pas bien.
Pas bien là. Ah, pas bien. Ah, j'aurais dû jouer un peu plus patient avec mon agresseur. Ça dépend si le guerrier a griffé la taille. J'aurais utilisé Stab. Ça t'a offert un second blocage. Ouais, moi pareil, hein, je pense pas non plus. Hein. Moi, je pense que j'aurais plutôt lâché le Croxis ici et... Je trouvais ça assez un petit peu dangereux, mais bon. Normalement, il devrait prendre lui, je pense. Dans la logique. Ou pas. Il veut juste me condamner à un joueur. Witness. C'est chiant ça par contre. Ah, c'est bon. C'est chiant parce que oui, du coup, il a pas besoin de s'en occuper, Ren. Un peu relou ça. Ah, je pensais qu'il allait prendre un peu plus le milieu. Ah, regardez. Bon, tout compte fait, c'est bon, tout compte fait. Bon, voilà quoi. Oh! Ah oui, c'est trop bien avec Sournois. Oui, il a eu le temps de, vous voyez, de partir à droite, repartir à gauche et revenir après. Et c'est vrai que vous voyez, du coup, cette mécanique d'agression, elle est forte parce que... Bah ouais, du moment que vous avez Sournois, c'est trop bien. C'est pour ça, là, il faut vraiment que j'arrive à avoir un Sournois. Et vous allez voir, ça va vraiment démonter, quoi. Ça va vraiment démonter les gens. On va voir, là, si les stabs arrivent à fonctionner, ça peut être chiant. Si les stabs fonctionnent, ça peut être relou. Ouh, pas mal les gens. Il met la pression. C'est pas mal. Mon équipe est bloquée. C'est intéressant. C'est honnêtement intéressant les gens là. Là, on peut faire un mauvais tour. On peut faire un mauvais tour. Surtout qu'on n'a pas pris un bon start là. Intéressant les gens. Je pense que c'est honnêtement intéressant. Attends, on a dit qu'on avait 2-2 ici, ok. Oh. Pas mal, pas mal. Pas mal les gens. Là c'est pas mal. Ouais, on va subir une grosse pression le tour d'après. C'est intéressant. On va essayer de bouger quelqu'un. Oh, par contre si le ouais. Putain, elle est dans la merde. S'il se loupe. Elle est dans la merde. Attendez, je réfléchisse. Ouh, ça devient intéressant les gens. Là il est pas tombé celui-là, du coup c'est un petit peu embêtant. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien de beau? Attendez, il faut qu'on sache les gens. Il faut qu'on sache si ça tombe ou pas. Et c'est du 1D. Ouais. Ah ouais. Ouh. That's a good choice for this play. Hey, fume bleu. Je vais utiliser ma châtaigne, mais j'ai peut-être pas envie de ce tour-là. J'ai d'autres choses de prévues. Parce qu'en fait, j'aimerais bien agresser quand même. On va voir si la mécanique est intéressante ou pas. Et du coup, on va essayer de se barley. Comme Barley White. On vit dangereusement, là.
Ouh. Oui. Oh, ça va nous faire du bien les gens. On en avait besoin là. Clairement, on avait besoin de ça. Et on va tenter d'agression. On va tenter ça les gens. On va déjà voir si sans le sournois, est-ce que ça fonctionne. Allez c'est parti. Est-ce que c'est nul ou pas les agressions? Et c'est... Et c'est nul. Ah, je déteste ça. Pourquoi je m'inflige ça? Je déteste les agressions. Je déteste ça les gens. Ouais, ils l'ont modifié les gars. Ils l'ont modifié le serait. Putain, je déteste. En fait, j'ai l'impression que l'agression n'est pas valable tant que vous n'avez pas sournois, malheureusement. J'ai l'impression que ce n'est pas valable, ouais. C'est pas jouable. Peut-être que j'ai peut-être été impatient, j'aurais peut-être dû attendre encore un petit peu. Oh, c'était... Non, franchement, les gars, 7+. Dommage, quand même, hein. On l'a fait quoi? Putain, on l'a fait 2, 2 et 1, 2. Ah. Allez! Du coup, c'est nous maintenant qui allons prendre également une agression. Ah, ça met un peu la pression, hein. J'aime pas trop jouer en infériorité numérique. Et surtout que bah, les deux stats pour le moment, elles tiennent donc. Ouais. C'est pas de chance, les gars. Double et en plus, je ne perce pas la mur, hein. Du coup, c'est dur parce que là, le centre va être difficile encore, hein. Et en plus, il va récupérer son truc. Oh. Et vous voyez, pour le moment, on n'arrive pas à... Et en plus, il a un bloc à un dé, là, non? Attendez. Oui, il a un bloc à un dé. Ouais, l'agression, normal. Ça, c'est normal, les gens. Il a raison, il faut le faire. Par contre, pourquoi il a pas du coup poussé sur lui là? Ça aurait fait une grosse agression vénère. Il a peut-être changé. Ah, il faut que les petites griffes arrivent à commencer à percer, sinon on va avoir des problèmes. Vous voyez, quand c'est pas le même match, c'est fou les gens. Vous avez vu la différence? Tout à l'heure, Tauros, le pauvre, il s'est pris mais tarif alors que c'est pas lui qui est engagé. Wow! Oui, c'est incroyable. Hein. Allez, on peut faire encore un beau tour si on arrive à... Attends, je crois qu'il y a un bloc à un dé, il me semble, non? Ici, là. Ouais. Il y a un bloc à un dé, là. Oh, il l'a fait. Bon, il a raison. Parce que c'est fort. Wow! Bah, avec tout ça, ça devient dangereux, hein. Ah! Ah! Ah 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 ah. Bon. Bah bon, on va te sacrifier, je suis désolé. Putain, la bête peut faire vraiment un beau travail là. Ça va dépendre de pas mal de petites choses, mais regardez. On peut faire un super tour là. Tout va dépendre de notre force. Il faut juste y croire encore. Peut-être pas non plus trop avancer. Défoncer l'équipe adverse. Peut-être on va y arriver. Il faut faire dépôt. Ah oui, on n'est pas dans le même match là. Quel cauchemar. On n'est pas sur le même match là. Est-ce qu'on peut avancer? Je n'aime pas trop parce que du coup il va blitzer ici. Il vaut mieux faire ça parce que sinon on va se retrouver collé. Collé. Collé les hé. Allez toi, c'est dehors là, c'est bon là. Il nous a saoulé lui. C'est bon, c'est dehors. Ah!
Ouh. Ah, j'aurais peut-être dû faire un go for it là. Mince. Ah, il va aller me chercher. Mince. J'aurais dû faire un go for it. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ramener les deux là. Et ensuite aller me chercher avec lui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, ça fait beaucoup de ressources. Oh, on le tente. Ouh là 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 là. Attendez, on va réfléchir deux secondes parce que là. Ah, cocu, il y a encore la bête qui peut taper, hein. Qui peut défendre, ouais. On va faire ça, on va faire ça. On va se défendre avec la bête, les gens. Ok. Allez! Bien joué, maintenant casse-le en deux! Time to die! Allez! Une chance sur deux! Ça fait déjà le. Mais non! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors peut-être! Qu'est-ce que c'est que ça, les gens? Mais quelle est donc cette bête? Quelle est donc cette bête? Oh merde! Parce que du coup, si je vire ma bête, on va perdre le combat du centre et là je suis foutu après. Putain, je vais quand même le faire, mais. Scandaleux! Ah, c'est scandaleux les gens là. Ah, putain, ces deux stabs me mettent la misère. Hein. On est pas bien les gens, on est pas bien, on n'arrive pas! On n'arrive pas! On l'a tous donné tout à l'heure contre Taurose et là maintenant ils sont fatigués. Ils sont fatigués, regardez. Aucune blessure, on n'arrive pas. Les joueurs sont fatigués, les gens. Ils sont essoufflés. Regardez, on voit, leur respiration est haletante. On s'est trop épuisé tout à l'heure. Ah, fais chier. Oh, ouais, en plus, on est en plein dans ce qu'on avait dit. Une petite relance. Ou pas, remarque, il est peut-être pas obligé. Il le prend comme un homme. Ah, il est tendu, les gens, le match là, il est super tendu, hein. Il est super tendu, ce match. C'est tendu, là. Reste là, toi. J'avoue, sur moi c'était vraiment balèze. Regardez, et après, ouais. Franchement, c'est vrai que vivement, quand même, qu'il le nerf au niveau du déplacement. C'est juste le déplacement, moi, qui me. Encore les agressions, je trouve ça un peu osef. Mais le déplacement, c'est vrai que c'est super fort. Hein. Regardez, il a agressé et derrière, il revient, quoi. C'est puissant, quand même. Hein. C'est super puissant, quand même. C'est vrai que ça envoie du steak, les gens. Salut, Frenchy! Salut à toi! On est sur un match qui se passe pas très bien, aucune répulsion fonctionne, et là on est en train de perdre des duels. D'ici quelques tours, on va avoir des problèmes de duels, là, de bons duels. Parce qu'on prend pas des bons duels. Humour. Bah bref. Et là on va avoir bientôt des problèmes. Hein. Oh, j'espère que la bête va vraiment fonctionner le tour d'après. Là. Ouais, ça fait deux tours qu'on arrive à coucher tout le monde, mais qu'il ne se passe rien du tout. Malgré les griffes châtaignes. Et du coup, on va bientôt avoir. J'ai peur des problèmes, hein. Des petits problèmes dans ma plantation. C'est l'heure du duel! Du bon duel, bien sûr, pas du. On stresse là, les gens. On peut stresser parce qu'on n'est pas si bien. Ah, quoique, on pourrait peut-être taper comme ça plutôt. Et ensuite ramener la bête quelque part d'autre pour mettre un peu d'amour et de. Allez! Non, pourquoi lui d'ailleurs? Je ne sais pas. Allez, encore toi! Putain, c'est trop fort. En fait, c'est trop fort, ça. Putain! Quel cauchemar! Quel cauchemar, les gens. Merde, le flash arrive trop tard. Ah! Yo!
ça y est, notre première sortie, les gens. Notre première sortie. Notre première sortie. Ça fait du bien, pas où ça passe. Ça fait du bien. On en avait un petit peu marre. Hey, ça fait du bien. On est content d'avoir réussi ce duel. Parce que ça nous fait du bien. Bon, on va jouer safe, les gens, on a encore le temps. On a le temps. Attends, par contre, il faut que je sache si la belle. La belle. Non, on va la laisser. Mais j'ai quand même peur qu'il me fasse un coup de Trafalgar là. Il pourrait. Attends, on va déjà voir ça si ça passe. Ah. Lourd. Ah, ça change mes plans quand même, ça. On se sent pas très safe, les gens, là. Attendez, on va réfléchir deux secondes. Parce qu'en fait, je viens de rater ma... Problème réglé. C'est bon. Problème réglé, les gens. Donc là, je... Donc... Oh putain, t'es un fou, toi. T'es un fou, là. T'es un fou, mec. T'es un fou. Donc là, je tente le tout pour le tout. J'essaie à tout prix d'exploser lui. Donc là, je tente le tout pour le tout. Oh, c'est dangereux, les gens. Si ça rate, je suis dans la merde de ouf. Allez, défonce-le. Aïe aïe aïe, oh, la transpire. Je transpire là. Je transpire, les gens là, je suis pas bien là. Et si lui se foire, c'est GG. Putain, on est pas bien les gens, je transpire là. On est pas bien du tout, notre porteur est pas safe. Il est pas safe. Oh non, mais c'est pas possible. Non. Putain, GG les gars, là on est dans la merde, ouais. On perd le ballon, ouais. Bon. On est sur une perte de ballon là. Ah putain, mais c'est fou. Bon ouais, les gars, franchement on peut rien dire, vu le match qu'on a fait avant. Oh putain, on est dans la merde les gens là. Aïe aïe aïe. Il y a une attaque sur le porteur à 2D. Ah ça va, il est sympa. Il préfère me sortir mon gros monsieur à la place. Ou pas. Si si, il y a une attaque à 2D je crois. Attendez. 1. 2 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il peut attaquer à 2D là. Mais il va peut-être se concentrer sur. On va voir. Ah mon dieu, les gens, vous avez vu. Là, ça pue, les gens. Là, ça pue. Pas bien. On a une relance. On est pas bien dans les duels. On arrive pas à... Bon, après, ça peut changer vite. Hein. Il suffit que je fasse une ou deux blessures et ça va être bon. Mais là, on est pas bien. Oh, ça putain. Heureusement qu'il joue pas agressif. Heureusement pour nous. On est pas bien. Ah, je vous le dis, mes joueurs sont fatigués, les gens. Mes joueurs sont fatigués, ils ont tout donné le match d'avant. Alors, les agressions, voilà. Cette mécanique incroyable. On stresse là, les gens, on stresse là. C'est très tendu là. On n'y arrive pas depuis tout à l'heure. Et puis lui, bah, il se rapproche dangereusement du bord et. Oh là là. Ah là là, ouais, là par contre, il va avoir du bloc là. Il y a des gens qui vont prendre des coups. Il y a des gens qui vont prendre des coups dans leur tronche. Oh, le flash indé. Et maintenant il peut taper ma chèvre à 2D. S'il est... Allez, un petit 1. Ouf, bon, je préfère ça. Pourquoi il a un dé? Ah oui, à cause de... Il joue safe, hein, il joue safe, hein. Il joue safe, hein. Mais en même temps, ouais, les deux, ils tiennent, mais ils tiennent de fou, quoi. Et je peux rien faire, je suis totalement bloqué pour le moment.
J'arrive pas à remporter cette bataille du milieu. Qui pourrait en plus bien se passer pour moi. Hein. Qui pourrait honnêtement bien se passer pour moi. Hein. Mais on n'arrive pas à faire la petite différence, vous voyez, ce petit... Bon là, je pense qu'on va commencer à la faire. Là, je pense qu'on fait, la différence, les gens, c'est sûr, là. Là, c'est trop, là. Je pense qu'on va faire la différence. Ouais, là, c'est trop, là. Il y a trop de blocs pour moi, là. Je pense qu'il a, il a manqué d'agressivité, là. Sur le tour d'avant. Ouais, c'est fini, là. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Mais c'est pas possible. Mais tabassez-les! Mais... Comme ça, là. Enfin, non, attendez. Elles sont où, mes griffes? Attendez, j'ai un couteau. Comme ça, là. Putain, merde. Merde, ça va te choisir. Putain, c'est scandaleux, les gens, là. Putain, mais la stab qui fait le taf, quoi. La stab qui fait le taf, hein. On n'arrive pas à gérer. Et j'ai peur de taper avec la bête, parce que si elle fait un 1, je suis vraiment pas bien, là. Je transpire... Alors si je fais ça, je donne le cul de ma chèvre. Ah, j'ai envie de le retaper les gens. Est-ce que c'est pas mieux plutôt de le taper avec lui? Ah, ça sert à rien avec ça. Mais... Ah vas-y, on va se faire un très serré, on va voir comment ça va finir. Alors peut-être... Ouais, tu gagnes pas le milieu, il a plus de force que toi. Quoi? Mais je le gagne le milieu. Je le gagne, c'est juste que j'arrive pas à... Parce qu'il suffit que je brise une seule armure et c'est fini. Hein. Mais c'est juste que j'arrive pas tu vois, à faire la différence, ouais. Attendez. Est-ce qu'on ferait pas plutôt ça et ensuite on tape avec la bête, ouais. Non, et après on donne le cul de notre... Non, il faut pas donner le cul de notre joueur. Ah, j'hésite un peu les gens, là. Bah mais j'en fais quoi de toute façon de la bête? Même si je le couche et... Allez les gars, entendre des coups de poker. Ah, j'aime pas ce que je fais là. Entendre des coups de poker, là. Oh putain, j'aurais réussi. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Allez, flingue-le! Bon, il y a peu de chance, mais on sait jamais. Allez! Oh! Il est à terre! Bon. Attendez, on va prendre 2 secondes parce que là, on a une vraie attaque sur nous, là. On a une attaque à 2 dés sur le porteur, voire même peut-être plus, non? Regardez, il lève la garde, il induit un dé, et ensuite il met quelqu'un là, il induit un dé, il peut ouvrir, vous voyez, une brèche ici. Oh, oh là là, on est pas bien les gens. On se cache, hein. On va essayer de se cacher, mais il pourrait faire quoi d'autre? On va se cacher les gens, on va essayer de se cacher. 1, 2, 3, 4. On va se cacher, puis on verra bien ce que ça va... Ah oui, mais lui il protège, et le cadavre protège! Quel génie! Quel génie! Attendez les gens. Il lève lui. Regardez. On va plutôt se mettre là. Tant pis, il y a un risque, mais... Osef. Regardez, parce que sinon, il va faire une brèche ici, en fait, dans le centre. Voilà, notre plan est parfait. C'est bon, les gens. C'est bon. Vous voyez, j'avais dit, du moment qu'on va gagner, on gagne quelques trucs ici. Là, on va partir. Là, on va partir en couille, là. Laisse ma chef tranquille! Oh! Ma petite chèvre. C'est ça, fuis! Fuis! Va-t'en. Va-t'en. Oh oui! Ma première répulsion! Sauf si relance. Oh non! Salaud! Bon, il a raison là, il reste plus beaucoup de tours. Ah, ce combat du milieu, il aurait été épique, hein. On va s'en souvenir, hein. Allez, brise pas l'armure, on sera bien. Le prochain tour, ça va... Coller serré. Non! Oh! Non, c'est pas possible. Me dis pas que c'était un agresseur. Ah bah non, c'est vrai. Il y en a un qui est déjà parti.
Oh non, il avait 4 d'XP. Il était si jeune. Il était si jeune et si beau. Il était incroyable. Il était si jeune et en pleine forme. Et en plein milieu de sa forme, il s'est fait taper. Il avait toute la vie devant lui. Oh, oh merde, il faut que j'arrive à faire ce bloc. Si j'arrive à faire ce bloc là, c'est GG. Allez, please. Ouf. Oh la vache. Bon. Let's go. It's time to die. Let's go. Pardon. Je deviens fou. Let's go! Pardon. C'est toute la frustration là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vous l'avez pas compris, let's go! Bon, c'est risqué les gars, mais il faut bien y aller là. J'ai pas le choix, alors je sais que je peux me faire attaquer par des Saurus méchants et malodorants. Let's go! J'espère qu'ils veulent le tuer quand même. Hein. Ouais, on a besoin qu'ils le tuent. Bon là, on fait un sacrifice, hein, un peu dangereux, mais... Bien joué! Ah, ce match est incroyable! Ce match est crazy! Ce match est crazy, les enfants! Attendez, est-ce qu'il pourrait libérer son monstre là? Non, pas maintenant! Bon, on peut pas se plaindre, il a été magnifique pendant tout le match. Il a été incroyable, il était amazing tout le match. Il avait de si belles grosses fesses. Il est mort, le bonhomme. Il est mort, regardez les gars. Putain, tristesse quoi. Non. Putain les gars, c'était GG là. Si on mettait lui là, je pense que c'était mort. Là par contre il va pouvoir voilà me bosser mes petits. Me taper mes petites fesses. C'est si facile, pourquoi stresser? Oh merde les gens, c'est pas bon. Oh merde! Oh merde! Oh merde! Ah! Y'a danger! Oh, y'a un big danger, les gens là. S'il le met là, il marque le but. Ouais, je peux plus rien faire. Ah! Ah, c'est moins drôle ça! Ah, c'était moins drôle ça! On est quand même dans la merde, hein. Pas bien les gens là. On est pas bien là. Il a même pas commencé par ça d'ailleurs. Pourquoi il a pas commencé par ça? Du coup il aurait fait un skull et ça aurait pas marché. Oui c'est fou hein. Ah bah non, je raconte, je dis n'importe quoi. J'ai n'importe quoi. Ça devient intéressant les gens là. Ça devient sexy là. Salaud. Ça devient vraiment canon là. Alors, so, quel est le problème? Waouh, t'as va pas pouvoir marquer du coup, hein. Ah, il nous a eu. Il nous a bien eu.
Donc il faut qu'on fasse ça. Comment on pourrait faire? Le remonter vers le haut? Avec un risque de go for it. Parce que si je le fais taper ici, il n'y a presque aucune chance que le ballon puisse arriver à bon port. Ah, je pense qu'on va quand même prendre le risque, les gens. Tant pis, hein. Ouais, ça devient sexy, les gens, là. Ça devient fou, là. Et attends, il lui en fait quoi, là? Qu'est-ce qu'on fait de mon bonhomme? À la limite, on peut taper, hein. De toute façon, c'est pas très grave, je pense. À mon avis... Ah, quoique, on peut faire ça, et ensuite faire une esquive qui serait quand même pas dégueu. Bon. On va déjà envoyer monsieur ici, ça me paraît logique. Et après, on va faire du YOLO. Voilà. Je pense qu'on va faire ça, les gens. C'est risqué, mais... ça me semble le mieux pour avoir un espoir de faire quelque chose derrière. Allez, 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 allez. Oh non, oh si, c'est bon. Oh fuck. Ah, je peux juste le relancer là. Oh. Bah, GG. Oh, c'est fou. C'est fou, les gens. Non, bah, GG, qu'est-ce que je raconte? C'est moi qui deviens fou. Attendez. Je crois qu'on va rester là parce que j'ai peur qu'il me mette, qu'il me fasse un push-push là. Vous voyez, il vu qu'il est un peu foufou, donc il pourrait faire un push-push. Ah, bravo à lui, les gens. Il a fait un bon contre. Un bon contre. Ça fait beaucoup de monde de libre, quand même, là. Il pourrait tenter, vous voyez, une dinguerie. Oh là, s'il fait ça, c'est GG. Hein. Derrière, il peut le pousser et... Bon, bref, on verra. Je veux mettre une option, les gens. Je veux me mettre une option. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, comme ça, on a une option faisable. Alors, peut-être. Bon, ça va être chaud, les gens. Mais c'est important de mettre quelqu'un à portée, parce que du coup, ça lui met la pression et il pourra pas faire tout ce qu'il veut, vous voyez. Parce que sinon, si j'aurais pas mis quelqu'un à portée, il aurait été en mode OZEF. Et il aurait du coup, genre il aurait relevé lui, tapé ici, mettre son gars là, il aurait pu, vous voyez, mettre son, en plus je protège. Il aurait mis son gars là, il aurait tapé un dé pour pousser tout le monde. Ouais, il y a encore un fin espoir, mais il est très très léger. Putain, fait chier, hein. Dommage que j'ai perdu aussi toutes ces relances là. On va démarrer à 12. Mais lui, s'il prend pas le... Ouais, si son KO ne revient pas, ça peut être un peu chiant pour lui. C'est tendu là quand même. Hein. Oh non! Ah! Il se met aussi quelqu'un à portée, donc du coup, on est en double pression tous les deux. Oh là là, les gens. Ah, il va tenter une esquive, hein, je pense. Hein. Je pense qu'il va tenter une esquive et puis espérer que ça passe, quoi. Ah, ou peut-être attendre le tour prochain, hein, Marc. Ouais, non, non, il faut qu'il esquive, quoi qu'il arrive. Il peut pas rester sous moi, je pense. Ouais. Bon, l'esquive va être dure, mais s'il y arrive, je suis dans la merde. Faut qu'il fasse ça là. Bam, bam, bam. Ah, ça fait beaucoup quand même, mais. S'il y arrive, c'est GG. Ouais, voyez, on veut l'arrêter, on veut l'arrêter. Oh! Sainte... comment ça s'appelle déjà? Sainte bête, tu es magnifique, avec ta tentacule. Tu es génial. Sainte petite bête, tu es merveilleuse. Tu l'as tentaculé. Bon, on va déjà voir si ça, ça passe. Et je peux pas mettre le 3D, c'est ça? Bon, à l'envers, ça me paraît de la folie. Magnes. Allez, on le fait comme ça, 2D, et ensuite on aura une autre option encore.
Bien joué, beau gosse. On l'appelle le beau gosse. L'ovni. Alors, peut-être pas suivre au cas où, parce que si le ballon me retombe dessus, j'aurai l'air bête. Il est dans les cloches. Alors peut-être. Incroyable. Incroyable, les gars. Incroyable. On va quand même mettre quelqu'un... Yorski. Thanks pour le follow, mec. Pour l'abonnement. Scandaleux. On va mettre la bête ici, les gens. Nice, mec, ouais. Bête merveilleuse, tu es incroyable. Comment l'a pu juger de toi? Tu es si merveilleuse et si grande. Oh, mais regardez-moi leurs copains qui font rien du tout, quoi. Hey, j'ai pas tapé. Affreux, les gens. Oh! Tapez-le! Oh, mais quelle indélicatesse. Oh merde, je suis con, je libère le monstre. Oh, ça va. Ça devrait aller. Bon, bah les gens. Ouais, c'est juste un ramassage, les gens. C'est tout. C'est rien. Ouais, à plus tard, Yorski. Allez, les gars, c'est juste un petit ramassage et un 3+, 3+. Ce n'est rien. Ça se fait. Let's go. Et... Ah, oh, dommage, hein. Elle a glissé sur une tentacule. Oh, c'est dommage, les gens. Oh, c'est dommage. Oh, mais non, regardez comme il est énervé. Regardez comme il est énervé. Oh, putain, vous avez senti cet énervement? Oh mais non, il va taper sur lui et ensuite me faire une agression. Non. Non. Pas lui, il a déjà 3 de... Ah non, c'est bon lui, mais ça va. Non. Non. Ah bah. What? Non. Oh, les chaos sont pas revenus, les gens. Les chaos sont pas revenus. Alors peut-être. Non. C'est marrant parce que... Le mec, en plus c'est marrant parce que t'as fait le non au moment que je regarde les chaos et je vois qu'ils reviennent pas, du coup ça fait non. Non, c'est l'arbitre qui a dit non, quoi, qui les fait pas revenir, quoi. Non. Bon, attendez, on va réfléchir, on va juste se placer bêtement comme on fait d'habitude. Enfin, on n'est pas des hommes bêtes, on est juste... Alors, attendez, réfléchissons, les gens. Réfléchissons. Regardez, il lui reste plus beaucoup de joueurs. Il lui reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du coup, on pourrait faire un play super agressif, parce qu'il peut pas prendre tout le monde. Mais le play agressif fait que je peux prendre du coup plus de dégâts. Mais c'est vrai qu'il peut être vraiment... Oh putain, j'ai envie de faire un play agressif, les gens. Oh putain, le chat. Play agressif ou pas? Franchement, il y a moyen de faire un play agressif, là. Non. Il y a vraiment moyen de faire un play agressif? Non. Ah, merci Edgar, ouais. Merci, merci mec, hein. Merci, ouais. Oui, en plus on est de bonne humeur, vous avez vu, hein. On s'en fout là, c'est pareil, même si... Oh, allez, on joue petit ou pas? Parce qu'on pourrait jouer super agressif, hein, il a pas 30 000 personnes et ça me permettrait d'avoir beaucoup de contrôle. Hein. Le match qui tient toutes ses promesses, que de coup contre coup de bidou, ça va, qui va gagner. Ouais, le match est incroyable, les gens. Le match est vraiment sympa là. Il est vraiment agréable, hein, je pense. Il est agréable, je trouve. Allez, on s'est décidé du coup au dernier moment. Arb
vitre, y a faute, wesh. Baston. Ouais, je pense qu'on aurait dû être agressif, ouais, vous avez raison. Regardez, j'aurais mis par exemple lui là, avec un lui là. Et ensuite avec peut-être elle au milieu pour faire chier. Ouais, je pense que j'aurais dû être agressif, vous avez raison, ouais. Ouais, surtout que là on est en forme, on sent que les joueurs ne prennent rien, enfin à part. Balthazar qui est mort. C'est fou le nombre de purlots que je perds quand même. Bon, tant mieux. Ah oui, parce que vous prenez une double blessure avec eux, c'est pour ça en fait, les gars. Je disais aussi, mais pourquoi on prend autant de blessures? Mais non. Ah non, c'est un plus 1. On prend... Ah, c'est vrai que maintenant ça a changé, c'est pas une double blessure. Ah, vous voyez, regardez, j'aurais dû être agressif. Oh, pas grave, les gars. C'est pas grave. On va faire du 1 pour 1 et c'est fini pour lui. It's over, Anakin. Oh! 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 Pardon. Oh! Vous avez compris ou pas? Oh! On va condamner du coup une garde. 1, 2, 3, 4, 5 et. Oh! Pardon. Et 6. 6. 6. Voilà. Oh! Donc on va condamner lui. On va condamner lui. Paf. Et ça fait pif, paf, pouf. Nanana, pouf. On va plutôt se mettre là. Risqué parce que du coup il pourrait me bloquer contre le mur. Bah, c'est quoi? On va peut-être même mettre mon mec qui a pas beaucoup de points de mouvement peut-être là. Là. Et là. Let's go les gens! Regardez ça, j'adore ça! On est agressif! On est tous sur la losse! Regardez ça! Oh, c'est magnifique! Regardez comment ils ont faim! On veut des maladies! On a faim! Ah! S'en prendre à mon agresseur, c'est vraiment pas cool. Hein. Regardez, en fait, c'est un logo de basket. C'est un logo de joli basket, ouais, de Nike. Bon, il a créé un trou, là. Pas bien. Oh! Bonsoir, Lady Faye. Il faudrait un 3/4 sournois, je te jure, mec. Si, si par exemple, lui, il chope sournois à la longue, mais pff, c'est GG, quoi. Vous avez vu tout à l'heure, par exemple, que j'ai fait l'agression, je me suis fait ban. Mais avec sournois, ça aurait, je l'aurais pas pris l'agression, ouais. Pour ça, c'est super important, de, vraiment, d'avoir un sournois agresseur, ouais. Parce que... Le joueur déloyal, c'est bien, mais pour moi, c'est que quand t'es en supériorité, tu vois, numérique. Oh! Oh! Mais non, mais c'est quoi ce match de rêve? Alors peut-être! Oh putain, non, vraiment, honnêtement, les gens, là, on est bien, là. Sans mytho, là. Sans mytho, on est vachement frais, là. On est méga refait, là. Là, on a juste à faire du 1 pour 1 et il est dégommé l'adversaire là. Surtout qu'il lui manque deux joueurs. Hein. Il est pas bien là. Et là, il transpire. Hein. Là, il transpire là. Il transpire. Hein. En plus, j'ai la main. Alors là, alors, si en plus je fais tomber ce bloc. Jamais. Il va peut-être accepter. Ah. Mm-hmm. Bon, là c'est un peu moins rêvant là. Oh, come on baby. Come on, baby! Et ouais, mec! Bon, après, je fais le malin, mais s'il récupère le ballon, on est dans la merde, quand même. Ça peut vite ne pas être drôle, hein.
Et on fait quoi du coup? Pourquoi t'as envie de faire ça? Parce que derrière tu vas te faire attaquer par lui. Il faudrait en fait que t'avances sur eux. Oh là là. À quel jeu tu joues là? Oh que c'est agressif ça. Oh que c'est fucking agressif ça. Oh que c'est sacrément agressif ça. Putain mais t'es vraiment un fou hein. Oh merde. Oh non. Ah j'ai fait des paris perdants les gens là. Ah oh, mes deux elles sautent en fait. Elles sautent toutes les deux si je fais rien. Le problème c'est que si le ballon s'écarte je suis dans la merde. Ah oh, putain de merde les gens. Je pense qu'on va le tenter là. Parce qu'en fait j'ai fait un pari risqué qui est perdant là. Et derrière regardez il va lever lui. 2 dés donc ici. Donc elle saute. Et derrière si je mets l'autre ici il va me la sauter avec quelqu'un d'autre ouais. Donc autant prendre des risques. Alors c'est clair si je rate on dira pas GG mais j'ai presque envie de le tenter les gens là. Ah oh, c'est un 4 plus quand même mec hein. Allez vas-y. Derrière. Bon c'est pas ouf quand même hein. C'est pas ouf parce qu'il va lever lui. Il va taper ici. En fait il peut flinguer c'est là que je me dis qu'il m'en faudrait une autre. Mais là il peut me flinguer les deux là en fait. Sans problème ouais. Et en plus il y a le croxy qui fonctionne. Donc là c'est pas ouf ouais. C'est pas ouf. Ah, il y a eu quoi comme jet de dés? Est-ce que j'ai réoson ou pas? Ah, il y a eu un 6 derrière. Ah, on a manqué d'agressivité. Ah, vous voyez, j'ai eu peur. Et derrière, j'aurais fait 2 gophorites pour me mettre ici. Et je pense que ça aurait pu être fort, ouais. Voilà. Allez, prions que le ballon tombe à droite, sinon on est mort. Oh, bien joué ça. Oh, j'y avais pas pensé. Oh, bien joué. Là, du coup, il contrôle la zone. Ça, c'est pas de bol. Waouh. Ouais, c'est pas de bol, là. Bon, il flingue tout le monde, quand même. Hein. Là, il va flinguer lui. Ah, il est bien, là. Ah, autant, on avait bien aimé notre... Le 1-2 de premier tour, là, mais... Près de la bête, il y aurait pire. Ouh. Ça c'est intéressant pour moi. Et du coup il est obligé de faire un choix. Il va suivre. Et c'est intéressant pour moi parce que je pourrais être agressif et faire tomber le ballon ouais. Alors le problème c'est qu'il n'y a personne qui peut le récupérer. Donc c'est pas ouf en même temps ouais. Ah on perd les duels. On perd les duels les gens. On perd les duels. Je vais plus pouvoir tenir bientôt. Ah ouais, on perd des duels là. Très bien joué ce qu'il a fait. On perd des duels là. Ah. Bon, là c'est chaud. Hein. C'est chaud, mais on peut taper du coup à 2D sur lui. C'est juste qu'on risque de se retrouver. Hors position. Je pense que la bête c'est mon avenir. Je pense qu'on va pas la taper hein. Malgré les risques. Ah, je suis dans la merde là. Parce que même si je fais ça du coup il y a que un dé. Ouais, ça c'est fort, mais je peux pas. La bête est... Attends, on va déjà faire ça, on va regarder. Il faut qu'on essaye de récupérer quelques duels, là. Tant pis les gens. On va faire du 1 pour 1. C'est juste que là, on a 2 mecs en moins sur ce tour-là, donc c'est un peu dangereux. Putain, j'hésite un peu, là. Sinon, pourquoi tu fais pas ça? Ouais, et ensuite tu tapes. Ouais, vas-y. Et après, on verra ce que ça donne, même si c'est pas une bonne situation, mais... Il faut juste pousser les gens. Voilà, parfait. Et on le tente? Allez, on le tente.
Ouais. Non. Oui. Non. 5. Putain, les vaches. L'imaginer. Il a failli le faire. Hein. Mais non. Le ballon revient. Ah. Oh. Intéressant, ça. Je crois qu'on peut lever lui, à mon avis. Hein. Intéressant, ça, les gens. Ah. Putain, j'arrive à relancer les gens. Ah. Putain, ces stabs ont été incroyables dans ce match. Hein. Vraiment. Ah, ces stabs, les gens ont été super, super, super forts, vraiment. Elles ont vraiment cassé le game. Hein. Oh. Putain, c'est la règle, les gens. Il faut jamais faire de relance offensive. Là, j'ai fait une erreur et je l'ai payé cash, ouais. Surtout que derrière, regardez, j'aurais fait... voyez. Regardez. J'ai fait donc ça, donc derrière, j'aurais flingué lui. Après, j'ai fait un double 1, donc ça va. Vous voyez, jamais faire de relance offensive. Là, j'ai perdu toutes mes forces, là. J'ai épuisé toutes mes ressources, du coup, ça va devenir très tendu, maintenant. Je serais obligé de jouer safe. Ah. Oui, c'était marrant, ouais. C'était du volet, là. Mais effectivement, c'était assez drôle, ouais. Bon, on n'est pas bien, les gens, là. On n'est pas bien. Enfin, on n'est pas super top. En fait, c'est juste que ces stabs font un travail, mais incroyable dans ce match. Elles ont été merveilleuses. Là, on a failli faire craquer les choses. Et surtout que, par exemple, si on l'avait flashé... Oh oui, vous l'avez bien entendu, ça. Bon, ça, c'est important, les gens. C'est important pour après. Mais vous voyez, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Oui, on disait que du coup, c'était important. Pourquoi? Parce que si j'avais flashé ce jour-là, c'était over. Hein. C'était over, j'aurais pu faire des dingueries derrière. Mais non! Allez, let's go, les gens! Let's go! Putain, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. On reprend, vous voyez, on reprend le contrôle, là, sur le côté gauche. Le milieu, on va pouvoir... Ouais, là, il a peur. Il a peur, normal, les gens, il a peur. Il a peur, il sait qu'il faut qu'il mette des gens parce que ça risque de... Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Oh, ce match, franchement, ce match va se jouer à rien, les gars. Vous allez voir, hein. Ce match va se jouer à rien. Ce match va se jouer à rien. Il va se jouer à une petite broutille, un petit truc. Qui va craquer en premier? Incroyable, les gens. Il colle bien avec ses stabs. Oh ouais, en fait, c'est les deux stabs. Honnêtement, ils font vraiment le travail depuis le début de match, ouais. Mais non! Oh, ça se relançait, ça, non? Ça se relançait, ça, non? Oh, le ballon qui revient. Mais attends, il y a moyen. Le ballon est bien placé. Ça se relançait, ça, non? Oh, c'est pas mal, les gens. C'est pas mal, là. Putain, il y a clairement moyen de faire un carton, là. Il y a clairement moyen de faire un carton là. Alors attendez, on va récupérer ça. Ça par contre c'est fort. On va pouvoir du coup coller tout le monde. Peut-être même ramener quelqu'un. Non, il va pouvoir le libérer si je fais rien. Ouais. Ah, ça fait chier quand même. Du 4 pour 3, ça me plaît pas trop. En même temps, tu veux le mettre où? Oh, tant pis. On préfère assurer pour le moment, on va y aller après, d'accord? Attends, let's go les gens, let's go! Là, je suis un petit peu hésitant là. Je pense qu'il faut mieux que je sois pas agressif. Parce que là, ouais, je vois déjà plein de plans sur la comète et tout. Mais non, on va pas être agressif, les gens. Enfin, sauf si ça se passe bien, mais. Oh là là. Et bien sûr que ça se passe bien, vous croyez quoi? Pardon. Wow! Ça sent bon! Ça sent très bon! Je crois qu'on peut même se permettre de taper avec lui. Hein. Il y a un vrai coup à jouer là. Oh, ça sent bon, les gens. Ça sent bon. Ça sent le Dark Hulk. Allez, gars, on prend le risque de faire ça. Oh, et ça passe. Oh là là, ça sent très bon, les gens. Ça sent un parfum de victoire. Ça sent bon! Ça sent très bon! Pardon.
coup j'aimerais que j'arrête de dégueuler comme ça. Putain, je peux pas suivre. Sinon il va nous casser les bonbons. Hein. En clair, si je ramasse, c'est GG les gens. C'est GG! Il l'a fait! Attendez. Parce qu'il va me faire un désespéré là. Il va me faire un désespéré play ici, je pense. On devrait peut-être faire gaffe. Attendez, on va réfléchir un petit peu. On a une minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il va me risque de me faire un désespéré play. Scandaleux! Donc on va peut-être se mettre genre. Tant pis si on se fait coller par lui. Et ensuite, lui il pourrait taper là. Et derrière, lui pourrait revenir et on tapera lui à 2D, ok? On va faire ça, tant pis, je sais qu'il y a un play ici. Il me fait un peu chier, mais pas trop le choix. Mais je veux juste pas qu'il me saute d'ici là. Ça pourrait être fatal pour moi. Ah, quoique. Ah, c'est quoi Osef? Osef, 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 Osef les gens. Osef. Vas-y, Osef. Ah, quoique, il peut aussi ramener lui, hein. Il blitz ici, il me colle. Non, 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 pas Osef. On fait ça, les gens. Allez, il peut rien faire de toute façon là, il peut rien faire. Tous les calculs sont bons les gens. Tous les calculs sont bons. Il peut rien faire là. Il va blitzer ici. Ah même pas d'ailleurs, il y a un bloc 1D là. Non, il est cuit là, il est cuit à moins qu'il me fasse un YOLO style mais... Ah, merde. Voilà, et ensuite il va taper un ici là. Ouais, il a blitzé ici, normal. Oh, il le fait pas tomber les gens. Il le fait pas tomber, c'est fini. C'est GG. Oh, surtout si la tentacule fonctionne, alors là c'est fini. Ouais, 5 plus les gars, vous avez vu. Un 4 de force, c'est 5 plus, ouais. Il colle bien avec ses stabs, ça sent le Nurgle. Près de la touche, non. J'ai peur, en fait j'avais peur. J'avais peur d'un... Ah, t'as raison, ouais. C'est vrai qu'il avait pas la portée, ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai. Non, t'as raison, il avait pas la portée. J'avais peur, tu vois, d'un YOLO style. Parce que là, bah, il sait que c'est fini, là. Putain, mais les gars, cette game, elle a été horrible, hein. Waouh, quel duel de titans. Franchement, honnêtement, n'importe qui, là, aurait pu gagner. Ça s'est joué à des détails de fou, quoi. Ça s'est joué vraiment à des détails, les gens. Ça s'est joué vraiment à des détails. C'est fini. Ah, et puis, bah, puis regardez, maintenant Nurgle style. Hein. Forcément, le Nurgle style entre en jeu. La base. Nurgle style. C'est que à la fin. Dommage. On va pas se plaindre. On a fait un bon match, on va pas se plaindre. On a fait un big match. Bah let's go. Et un sac à main. Merde. Attends, est-ce qu'il y a une diagonale là où qui vient me chercher? Oh putain, il pourrait même faire un 2D contre. Aïe. Attendez, on va réfléchir là. Puisqu'en plus lui si je le tape, il va revenir, donc ça n'a pas une très bonne idée. Merde. Comment on va gérer ça? J'ai pas utilisé mon blitz, remarque. Ça c'est fait. Maintenant il reste plus que le deuxième et c'est bon. Donc il va faire un 2D contre avec lui là. Et là il faut qu'on chope lui et c'est fini. Ouais. Ok, on va faire ça les gens. Hop, hop, hop. Putain, qu'est-ce que c'est marrant, Nurgle, quand même. C'est très rigolo. Vous avez l'impression d'être trop fort, hein. Mais non. Même mes trois quarts s'y mettent. Allez. Bon, c'est pas fini les gens, c'est pas fini parce qu'il reste une dernière action, mais de toute façon il a plus personne pour récupérer le ballon là. Donc là c'est le tarif Nurgle normal les gars. On a mis du temps, les grosses fesses sur le toit du monde, ouais ouais on a mis du temps à installer nos grosses fesses là.
On a mis beaucoup de temps, ouais. La première mi-temps, on l'a rien fait, je crois. Allez, c'est parti pour YOLO Style. Il peut le faire, les gens, c'est pas dégueulasse. Oh, le fuck, il le fait. On va le prendre, ouais. On va pas... J'ai peur de briser mon armure, les gens. Donc on va le laisser. J'ai peur de briser mon armure, ouais. Ah, il est étonné, lui-même il est étonné. Il fait quoi? Bah, pourquoi il a un... Tu vois, il comprend pas. Et j'ai vraiment peur de briser mon armure, donc je préférais le prendre. Mais c'est que c'est pas cool parce que du coup, bah, il va pouvoir retaper. Et voilà. Alors là, si on subit une blessure, ça sera bien fait pour ma tronche. Alors là, ça sera. Ouais. Ça sera... Ok. Ouais, ouais, je préfère pas le prendre, les gens. Je suis pas confiant, moi. J'ai pas la confiance, ouais. Wow, il l'a mis sur... Il l'avait mis l'un sur l'autre, quoi. C'était dégueulasse. Moi, je suis pas aussi confiant que ça, les gens. Alors, on va quand même... ramener quelqu'un. On va pas bouger exprès, cette, parce qu'au cas où, si on rate le truc là, lamentablement... On va aussi ramener lui parce que l'objectif c'est de marquer avec lui. On veut pas se faire bait donc on le laisse là, on sait jamais. On sait jamais les gens. On va pas se prendre la douille du siècle. On a déjà été tellement de fois arrogant sur ce jeu que... que bah non, on est prudent. On est prudent les gens. Chier celui-là, mais tant pis. Hop. Et on va le tenter après. Si on n'arrive pas à récupérer le ballon, on fait quoi? Oh, le dilemme! Je relance, c'est trop dangereux. Ah, fais chier. Fais chier les gens, mais c'est trop dangereux, ouais. Et là, c'est bon, on peut y aller maintenant. Ce rêve bleu. Allez, ici. Mais je sais pas faire. Ah, j'aurais dû te raid. Salut à toi, Olivier. Ça va? Tu t'es lancé, ça y est? Tu t'es lancé sur Twitch? La dernière fois, t'as dit un truc que j'ai vu sur une vidéo qui était super intéressant. C'était justement le côté... Attends, je vais vous expliquer. Ah ouais, c'est bien, ouais. Et la dernière fois, t'as dit un truc super intéressant, c'est à rapport au live, justement. Tu disais... je comprenais tout à fait ce que tu disais. Tu disais, en fait, le problème de live, c'est qu'on est moins bon qu'en live. Et c'est vrai. Et tu sais que t'as entièrement raison sur ça. Et c'est vrai que les gens, des fois, ils ne se rendent pas compte. Des fois, ils se disent, ouais, bah regarde, tu fais. Enfin, toi, tu rates des trucs et tout. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte que quand en live, on est très. Même là, depuis le début de match, je suis complètement diverti. On gueule dans le chat, on fait n'importe quoi et tout. Et c'est vrai qu'il y a, un vrai aspect. Moi, je sais par exemple que les matchs de championnat, je ne les faisais pas en live. Je les faisais pas en live parce que je voulais vraiment me concentrer et pas faire de la merde, ouais. Et c'est vrai que. Je trouve qu'il y a un vrai côté, ouais. Il y a un vrai côté comme ça. Après, on finit quand même par prendre l'habitude. Mais. Il y a toujours ce côté qu'on se déconcentre avec le chat, ouais. En plus, des fois, le chat va vous proposer des trucs... c'est pas contre eux, hein, mais... Des fois, ils vont proposer des choses qui sont pas du tout dans votre idée de jeu, et des fois, ça peut vraiment vous changer, enfin, vous casser un peu ce que vous voulez faire. Scandaleux. thanks, mec, ouais. Thanks, mais ouais, non, mais je comprends tout à fait ce que tu dis, du coup, ouais. Ce que tu disais, ouais. Et c'est vrai que c'est pas évident, d'animer et de faire le fou sur le chat et... ouais. Mais ça va venir, hein, ça va venir. Bon les gars, on va prendre des risques, parce qu'on veut, à tout prix notre garde. Mais c'est vrai que t'as tout de suite compris le problème du live, ouais. Wow. Non. Et ouais, t'as tout de suite compris le problème du live. C'est super intéressant, ouais.
Allez, on va prendre des risques. On veut faire évoluer notre monsieur à base de... Alors, on peut se prendre une carotte, mais honnêtement, tant pis, ça sera le jeu. On va agresser avec lui. Ah non, bah non, on va peut-être avancer d'abord. Parce qu'il y a quand même peu de chances qu'on réussisse au ramassage. Alors, attendez. Le pire scénario, c'est qu'il prend le ballon, qu'il commence à se barrer. Oh, de toute façon, on l'aura, les gars. Il va jamais pouvoir s'échapper, là. Bon, on sait jamais, mais... Allez, on va lui donner... Allez, force à lui. Regardez bien, les gars, c'est facile. 4+, c'est juste une chance sur 2. Mais avec Nurgle, c'est un 2+. Regardez bien. 2+, les gars. Facile. On va du coup même saluer notre joueur. Regardez. Et oui, il le salue. Bravo. Bravo pourri. Tu es magnifique. Allez, il nous reste ça à faire. Oh, allez. Hein? Allez. Allez. Scandaleux. Olivier Le Kragan des légendes. Tu peux imposer à ton chat si tu veux pas de backseat. Non, 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 les gars, ils en faites pas. J'ai aucun problème sur ça. Mais c'est vrai que des fois, dans des rares moments... dans des rares moments, c'est vrai qu'on peut... Ah non, ah, toi, oui, non, ah non, toi, tu parles d'autre chose, oui, oui. Je vois ce que tu veux dire. Toi, tu parles, oui, des gens qui te disent tout le temps quoi faire. Mais non, ça me dérange pas, les gars. Surtout que ça va, j'ai quand même un bon jeu. Ouais. Ouais, puis moi, personnellement, ça me dérange pas qu'on me dise des fois si vraiment il y a un truc que j'ai pas vu, parce que c'est vrai que... Ouais, mais là t'arrives au bon moment, Olivier, hein. Parce que là depuis le début de match on galère, hein. C'était la souffrance, c'était battle of milieu. En fait ces deux stabs là, on était tous en train d'essayer de lui péter la gueule, impossible. Je faisais des flèches, des flèches, des flèches. Quand ça flashait ça faisait rien, il fait juste que tomber. C'était battle of milieu, les deux là, c'était les deux tours jumelles, hein. Impossible, qu'est-ce que je raconte, moi. Non, pas les deux tours jumelles, la mauvaise liaison, pardon. Mais enfin c'est quelque chose de quelque chose fort en plein milieu du centre. Impossible à bouger. Les deux stabs ont été, mais ils ont fait la game à eux tout seuls. Hein. Et j'arrivais pas à blesser, j'arrivais pas à taper. Et ça s'est fait en fait en deuxième mi-temps, j'ai eu un événement intéressant. Non, 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 pas le pourri. Non. Ouf. Putain, il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Putain, j'ai failli mourir là. Ouh. J'aurais été déçu là. Ah, j'aurais été déçu parce que là... Ah, vous avez vu comment j'ai crié ma vie là? Ah, j'ai crié ma vie là, ouais, vraiment. Non! Pas mon vélo! Encore! Putain, mais heureusement qu'on tape à 3D, hein. Oh, c'est trop marrant. Vous avez vu ma réaction ou pas? Non! 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 Pas mon vélo! Non! Je suis trop marrant, des fois. Non! Regardez, on va s'en débarrasser maintenant au tour 15, on parie ou pas? Alors qu'ils nous ont fait chier toute la game! Toute la game! Voilà. Toute la game, ils nous ont fait chier! Attendez, on va saluer notre joueur. Bravo à lui. Bravo, hein. Je te félicite. Annonce compte double. Et clairement. Putain, je vous jure les gars, là je vous jure, c'est pour ceux qui arrivent à la fin là, vous croyez que c'est facile, mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Hein. Franchement, n'importe qui aurait pu gagner des deux personnes là. À tout moment, regardez, en première mi-temps, j'ai pas touché. Si en première mi-temps, ouais voilà, là on pourrait croire que c'est une free game, mais en fait pas du tout. Hein. En première mi-temps, s'il arrive à faire son esquive avec son, parce qu'il avait réussi à récupérer le ballon, pour tout vous dire. Et s'il avait réussi son esquive, bah c'était 1-0. Mais ma bête, elle a été incroyable. Okimikoze, la chose, elle a été incroyable. Hein. Et pourtant, vous voyez, ce qui compte, c'est pas la taille. Hein. Elle est peut-être petite, mais elle est grosse.
Excellent les gens. Du coup c'est fait. On a enfin notre garde. Ce joueur qui a mis du temps, pourquoi? Parce que en fait il était presque, il est mort avant. Petite mais efficace. Joli contre les gens. Il m'a contraint en première mi-temps, je l'ai contraint en deuxième. C'était la bataille contre des contre. Oh quelle danse, vous avez vu ou pas? Attendez les gars, je la fais aussi. Et ça? Mais il a trop de cuir de crocodile pour faire des babouches, des badouches, les babouches. Franchement les gens, il y a bien un truc qu'ils devraient faire, c'est mettre des danses à la fin du match, vous voyez, des danses personnalisées. Ça... Oh! Oh! Regardez, ça monte! Ça monte les gars! On veut notre agression. Et à partir de là, l'équipe sera injouable. Donc ça y est les gens là, là on va passer en... Je crois que le farming va être fini là. On va passer en phase de destruction là, ça y est. On va passer en phase de destruction. Time to give up. Attendez. T'en as jamais fait des agressions. Tu l'as pas vu tout à l'heure ou quoi? Tour 1, je me fais ban. J'ai essayé mais attendez les gars, regardez. Je vais vous mettre un son. Regardez ça, c'est le son de mon équipe. Le son officiel de mon équipe. Est-ce que vous êtes prêts? Attendez, on va couper le son du Blood Bowl là. Attendez. C'est les gens. Le farm est fini, je pense. Là, on va casser des gueules maintenant. Voilà. C'est exactement ça, les gens. C'est mon équipe. C'est mon équipe, ça, maintenant. It's time to get up! Wake up, bitch! Time to get up! Voilà, mon équipe! Est-ce que vous êtes d'accord avec cette personne? Il faudrait pas être biquette en plus. Si, je... Bon, bah, c'était exactement ça, ouais.